Le prince William était toujours plus âgé que ses années et aspirait à une vie normale loin des projecteurs pendant ses études, selon un expert royal. Le frère de William, le prince Harry, et son épouse Meghan Markle ont été très ouverts ces derniers mois sur la façon dont ils ont lutté contre une presse intense et un examen minutieux du public et un intérêt pour leur vie alors qu'ils travaillaient comme membres de la famille royale. Ils ont expliqué dans leur interview avec Oprah Winfrey que c'était un facteur majeur qui avait contribué à leur démission en tant que membres de la famille royale l'année dernière. Pendant ce temps, William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, ont toujours souligné qu'ils voulaient offrir une vie aussi normale que possible à leurs propres enfants. William et Harry ont tous deux été touchés à un jeune âge par l'expérience de leur mère, témoin de sa détresse face à l'intrusion des médias et de sa mort prématurée. À peine 4 ans après sa mort, lorsque William était étudiant à l'université de St. Andrews, il était « profondément méfiant » envers le monde extérieur. Andrew Morton, l'auteur de « Diana ». Her True Story, a décrit comment cela était dû en partie à ce qui est arrivé à Diana et en partie au fait que son père, le prince Charles, avait été « éviscéré » par la presse. Il a déclaré au documentaire de 2011, William et Kate. Dans le futur. Il a toujours été beaucoup plus âgé que ses années, donc à l'âge de 19 ans, il se méfiait du monde extérieur, profondément méfiant. Et évidemment ce qui est arrivé à son père, éviscéré par la presse, étant donné ce qui est arrivé à sa mère, il a une vision très jaunâtre du monde. Alors qu'il était à St. Andrews, une université en partie choisie pour son éloignement, William voulait être un étudiant ordinaire. William a déclaré dans une interview à la BBC à l'époque, « Je ne vais qu'à l'université. Ce n'est pas comme si je me mariais, même si c'est parfois ce que je ressens. »